Salut tout le monde, je m'appelle Steadars. Yeah. Et bienvenue dans l'épisode 14 de Subnautica. Et la mise à jour a été faite. Je croyais que j'allais devoir le placer en mode bêta pour pouvoir télécharger à l'avance, hein, un peu comme une snapshot de Minecraft. Et en fait, elle est carrément sortie en version officielle. J'ai resté dans le vaisseau pour me garder une surprise. J'ai vu quelques images par contre, et bordel, ils ont changé le système graphique complet. Ils ont mis une... Waouh, juste ça, c'est superbe. Bordel! Vous regardez ça ici, c'est génial. Regardez, c'est beaucoup plus sombre qu'avant, c'est incroyable. Ils ont vraiment changé une tonne de systèmes. On a maintenant un analyseur. Quand on fabrique des choses dans le fabricateur qui est juste ici, c'est plus des cubes en fait. Donc on a carrément des modèles 3D qui vont apparaître sur la table selon ce qu'on a à fabriquer. Mais comme je dis, tout a été changé au niveau graphique. Donc de ce côté-là, je crois qu'on a beaucoup à découvrir. Mais ce qu'on a fabriqué maintenant, ça fait déjà quelques updates que cette sauvegarde a déjà dans le corps. Donc peut-être que celle-ci sera le dernier épisode, malheureusement. Et que nous allons en partir une nouvelle un peu plus tard. Le temps de peut-être se placer, se donner une idée de ce que je pourrais peut-être ajouter comme contenu dans les épisodes de Subnautica pour démarrer une saison 3 en force. Parce que Subnautica, c'est juste complètement disjoncté comme jeu. Alors, dans les outils personnels, on a maintenant ça. Un scanner. Et je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Pour le reste, ils n'ont pas encore modifié trop de trucs. Déjà que le scanner, c'est une très bonne chose. Le bleach... Oh, regardez, ils ont même changé le logo du bleach. C'est rendu une bouteille de bleach, tout simplement. Le glass, ils ont changé aussi le silicone rubber. OK, ils ont vraiment retravaillé même les petits logos, en fait. Donc, je vais devoir me réhabituer un peu. Et, OK, les batteries, ça n'a pas changé. Copper wire. Ils ont mis vraiment un espèce de petit truc de fil de cop. Ça, c'est génial. Ah, merde, c'est cool. J'ai l'impression de jouer un nouveau jeu. OK, batterie, acid mushroom. Donc, on va avoir besoin de acid mushroom. Bon, on va sortir à l'extérieur. Et on va aller voir ce qu'il y en a. Hein? La vache. Wow. OK. C'est vrai, j'avais plus de piles. Graphiquement, on voit quand même une bonne différence. Et j'ai bien hâte, il paraît que c'est vraiment à la surface, c'est complètement disjoncté. Je vais devoir aussi retourner à la base, car là, je vais bientôt crever de soif. Attends, on va ouvrir ça ici. Allez, ouvre la porte, mon chéri. Vous m'aviez dit dans les commentaires de l'épisode précédent que je pouvais ramasser le poster qui est ici. Hell yeah! Oh! Ça, c'est un... Oui, je sais, faut que je bois. Oui, je sais. OK, j'y vais. Ah, putain, il n'y avait pas ce coffre la dernière fois. Ah, ils ont changé aussi le... Merde, on ralentit quand on est proche du truc. Oh, ça, c'est génial! Par contre, ça aurait été plus cool qu'il y ait une bouteille d'eau. Regardez, ils ont changé le look des... Ah, ils sont jolis, putain. Nice! OK, on retourne dans notre gros vaisseau, hein? Parce que sinon, on va bientôt mourir de soif. Et ah! Oh my fucking god! J'ai passé devant la porte. Putain de fail! OK. Quand j'ai vu dans les commentaires, vous m'avez dit... Steel, t'as fail. J'ai remis mon dive suit normal. J'ai carrément pris mon habit, je l'ai placé de côté, probablement qu'il s'est reclassé. Je croyais prendre le nouveau que j'avais fabriqué, celui qui faisait en sorte que j'avais moins soif. Je l'ai remis à sa place, mais en réalité, j'ai carrément repris le même suit que j'avais fait. Oh my god, le fail! Bon, là par contre... Je vais vraiment devoir air sac moins 4 H2O. Oh! Oh, génial!
Ça, c'est très chouette. J'avais exactement ce qu'il fallait. Bon, maintenant, par contre, on va revenir à la maison, n'est-ce pas? On va ici. C'est parti. Oh, en plus, ils ont rajouté une petite animation quand on s'approche. Ça, c'est génial. Ok. Ce vaisseau est vraiment là, bordel. Je serais déjà arrivé probablement avec le C-Mode, mais j'étais en train de regarder comme ça hein, le corps de mon personnage et ça m'a fait penser à l'Oculus Rift. Donc, il est désormais sorti en préachat. Donc, je crois que les gens qui le commandent tout de suite vont le recevoir d'ici juin-juillet. C'est quand même plutôt tard. Et ils ont fixé leur nouveau prix. On parle de 599 $ US. Fuck! C'est tellement cher! C'est incroyable! Je veux dire, en canadien, c'est presque 1 000 $. Je veux dire, c'est incroyable. En fait, présentement, notre le niveau de notre monnaie est vraiment bas. Il est en train de chuter et le dollar américain monte ou c'est vraiment juste nous qui baisse comme des merdes. Mais c'est dégueulasse présentement. Tu veux acheter un truc à 10 US et nous, ça nous en coûte quasiment 40. Joke, j'exagère, mais quand même, ça fait quand même super chier. Tu dis, ah, c'est quand même pas cher, c'est pas si mal, et après tu fais la conversion. Oh my god! Nice! Le mec qui a créé les effets sonores de ce jeu est un génie. Là, j'ai l'impression d'en mettre beaucoup juste parce que j'ai entendu une bouteille d'eau se remplir d'eau. Mais je veux dire, quand t'écoutes tous les effets sonores sous-marins, les bruits de poissons, les bruits environnement, le bruit de l'explosion quand l'aurora explose et tout, c'est probablement l'un des jeux les plus réussis au niveau sonore que j'ai entendu. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, on va prendre deux petites bouteilles d'eau, ça c'est génial, et on va bien entendu poser notre poster. Allez! Donc, il paraît qu'il est pas facile à poser, mais je crois que ouais, c'est ça. Ils ont fait le... Ok, je comprends. Ah, ok, c'est un clic droit. Nice! C'est très cool qu'on ait pu le prendre. Et ça serait nice qu'il y ait plein d'endroits où peut-être pas plein de bateaux échoués, parce que je crois qu'on est peut-être les seuls à avoir visité cette planète. Mais ça aurait été... Ça serait chouette qu'il y ait plusieurs morceaux de l'Aurora détruits et qu'on puisse trouver des petits trésors qu'on puisse récupérer pour venir les placer un peu partout. Ça serait vraiment comme des trophées d'exploration. Ça serait vraiment nice. Probablement qu'ils y ont pensé. Oh my god! Regardez ça quand il fait noir! Oh! C'est magnifique. Wow! Fait beaucoup plus noir, par contre. Alors, c'est encore plus épeurant. Holy shit. Attends, on va aller voir à l'extérieur de l'eau. Ça doit être sublime avec... Oh my god, regardez-moi ça. Oh, la vache! Oh my god! J'ai l'impression que je peux lui toucher tellement qu'il est prêt. Sauf que je peux pas l'admirer à cause du bruit de l'eau. Ta gueule, l'eau! Avec la lune. Ça, c'est clairement la... On s'entend que c'est clairement la lune de la planète Terre. Et peut-être qu'un jour, si on répare l'Aurora, on va pouvoir aller visiter cette planète. Je ne crois pas. Hein, parce que là, on s'entend que ça serait les concepteurs du jeu. Arriveraient jamais à terminer le jeu. On s'entend parce que... En plus d'avoir toute cette planète explorée, il faudrait qu'ils remodélisent, j'ai cherché le mot à dire, pour pouvoir aller sur cette planète. On s'entend que ça serait le jeu le plus grandiose qu'ils pourraient pas avoir. Oh fucking oui. J'ai complètement oublié que je devais aller changer mon suit et que je voulais essayer aussi, j'en avais parlé dans le dernier épisode, le nouveau signal que j'avais trouvé ici. Attention, pouf, on fait ça. Ensuite, attends, est-ce que je l'avais mis ici? Ouais, d'accord. Maintenant, on va changer ça et que ça saute. Je m'en allais encore merder et je m'en allais remplacer mon habit par celle de la radiation. Donc, on prend le style suit. Voilà. Ok, d'accord, c'est parce qu'il ne remplace pas. Ok. Style.
Steel! Le Steel Suit! Yeah! Non, le Steel Suit. Nice! Là, on va voir si cette fois-ci, je réussis à garder un peu plus mon eau. Et ça va me coûter moins cher de soif. Et là, j'enlève le signal. Et je le remplace par... Ok, d'accord. Possible Cave Opening. On le remplace ici. Bam! On sort à l'extérieur. Et on regarde... Qu'est-ce que le signal me donne? Une signature chaude. Ah, d'accord. Je suis curieux. Heat signature. Ah! Ok. Ça nous a amené à un petit volcan. Et je suis supposé faire quoi avec ça? Ben, il fait chaud à cet endroit, ce qui correspond quand même assez bien avec ce qui était écrit pour le signal. Mais c'est ça. Ok. Bon, ben, il n'y a rien d'autre à voir. Pour le Steel Suit, je vois pas vraiment de différence. Parce que honnêtement, ça, j'ai l'impression que ça descend tout autant. Donc, je suis rendu à 36, j'étais à 60 quand je suis parti, bordel! Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une différence, que ça vaille vraiment le coup. Là, pour l'instant, je suis quand même déçu. Donc, tout à l'heure, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des problèmes avec le courant électrique. Donc, je sais pas pourquoi, ça variait toujours toute seule, un peu comme s'il y avait une mauvaise connexion. Ben, regardez, ça le fait présentement. On passe à 350, après on descend à 325, on remonte à 350. Quand même pas normal, ça doit encore être un bug. Ils n'ont pas ajouté la texture de celui-ci. Bien dommage. Ou encore une fois, c'est peut-être un bug d'update. Je sais plus en fait ce qui est un bug ou ce qui fait partie du jeu. Bon, j'avais besoin d'aller chercher de la coppe. On va pouvoir se fabriquer un scanner. Attention! Qu'on puisse essayer ça, ce petit engin. Ah, on dirait une espèce de petit caméscope qu'on tourne sur le côté. Oh putain! Ça ressemble tellement au fusil laser quand j'étais enfant! C'est incroyable, vous savez, on mettait un plastron sur nous et on jouait avec nos amis, on tirait avec ces espèces de petits fusils. Il fallait tirer sur le plastron pour faire enlever de l'énergie à nos amis. C'était incroyable! Je sais pas si c'est une référence à ça en fait, mais ça serait vraiment super génial. Alors, il paraît qu'on peut aller à l'extérieur et on peut scanner une tonne d'objets en fait. Donc, ça peut aller par des plantes, des animaux, toutes sortes de trucs. Et après, on a un carnet. Donc, par exemple, ici. Attention. Et... Bam! Oh! En fait, on a carrément une encyclopédie. Est-ce que je peux scanner cette plante-là, ici? Non, d'accord. Ça doit vraiment être des trucs que je peux récolter. Donc, par exemple, ici, j'ai... Pourquoi je peux pas prendre le Purple Table Coral? Lui non plus? Searching? Scanning? Oh! En fait, je peux pas tout scanner. Ça va être de voir qu'est-ce que je peux scanner. Ça, c'est une autre chose. Par exemple, ça, est-ce que je peux? Le Giant Coral? Non? Ah, ok. Le Brain Coral. Ça, je peux le faire, par contre. Ok, cool. Donc, par exemple, si j'appuie sur Tab, j'ai un nouveau menu. Je crois log. Ah, d'accord, on a le log de ce qui s'est dit en fait en sous-titre. Ça, c'est très chouette quand on n'a pas entendu ce qu'elle a dit et qu'on a envie d'aller réécouter ce qui a été dit. Et ici, oh, génial, le data bank. Ça, c'est vraiment cool. Alien Life Form, le Brain Coral. Ok, d'accord. C'est vraiment cool. Acid Mushroom, Aurora, on a une tonne d'informations, peu importe ce qu'on scanne. Ah! Oh, ça c'est très chouette! Très utile. Et je crois que quand on trouve par exemple un fragment, on peut littéralement le scanner avec ça et ça nous dit en fait ce qui se cache à l'intérieur. Je crois qu'on n'a plus besoin en fait de l'analyseur de fragments, il suffit d'avoir notre scanner et ça fonctionne. Oh putain! Putain. Il va avoir un coucher de soleil. Il va avoir un coucher de soleil. Oh my god, faites juste regarder ça, c'est magnifique. Oh la vache. Attendez. Je vais aller sur mon pod ici pour avoir une superbe vue.
Vite, 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 vite! Je suis en train de manquer le coucher de soleil! Vite! Allez, grimpe ici, grimpe ici, grimpe! Oh! Oh my god, que c'est beau! Wow! Regardez-moi ça! Vraiment génial! Yippie! Ah! Donc on va pouvoir tout de suite essayer ça! Attention! En fait, on l'a déjà analysé. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ben voilà! Il disparaît littéralement. Donc c'est exactement ça qu'on doit faire pour pouvoir... du moment qu'on... Ah, ça c'est tellement cool! On peut maintenant le faire sur place. Plus besoin d'amener à l'infini toutes sortes de fragments qu'on trouve à gauche et à droite. Ah, j'adore! Bon, maintenant il faut juste trouver un poisson. Mais ça va être difficile de scanner un poisson. Il va toujours bouger, il se laissera pas faire. À part peut-être un garifish, ils sont tellement stupides. Ça va être facile d'escader. Bon, il faut juste que je trouve un poisson. Et quand il fait noir comme ça, c'est vraiment pas évident. Poisson, 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 poisson. Où vous êtes? Je sais pas si je peux scanner le Léviathan. Le Reaper, ça serait quand même badass. Probablement en mettant un coup de fusil à stase. Boum! Et après, vu que le poisson bouge pas, ben, je peux prendre le temps de le scanner. Donc toi ici, toi, va pas trop vite. Laisse-toi scanner. Laisse-toi scanner. Génial! Cool! Ok, on va retourner à la surface. Oh, au travers l'eau, la lune est magnifique. Génial. Bon, on va aller voir maintenant ce que ça m'a donné. Attends, oh, je vais peut-être avoir les pieds... J'aurais pas les pieds au sec. Je vais peut-être... Yep. Quoi, t'as pas assez profond d'eau pour te mettre debout? Tu me niaises? Il nage avec 30 cm d'eau. Come on! Come on! Lève-toi debout! Admire! Bon, on va aller voir ce que ça a donné au niveau du poisson. Et... faune, herbivore, overfish. Oh! Ça, c'est cool! Quand on a la petite photo qui va avec. Ah! Oh, en fait, on a vraiment une tonne d'informations. Chouette! C'est vraiment nice! J'adore le scanner! Bon, ben, je crois que ça fait le tour de cet épisode. Honnêtement, on a découvert à peu près tout ce qui se faisait. J'aurais pu peut-être me donner des défis en allant à des endroits encore plus profonds, plus loin, en essayant d'autres trucs. Mais ça, je crois que je vais garder ça pour la saison 3. Et je vais laisser un peu de temps s'écouler avant la saison 3. Un peu de temps. Je vous parle pas d'une année ou encore plus longtemps. Je vous parle de peut-être un mois. Donc, ça se peut qu'il y ait à peu près un mois sans Subnautica. Juste le temps que... Il y a un peu de rafraîchissement, vous voyez, le temps que je puisse me préparer, écrire peut-être certains trucs qui pourraient être intéressants d'intégrer dans Subnautica, juste pour votre plaisir, bien entendu. Donc, si vous avez aimé cette saison, n'hésitez pas à mettre un like, abonne-toi, c'est pas fait, partage avec tes amis, tu peux écouter la saison 1 aussi, il va peut-être avoir un autre épisode pour découvrir un truc ou deux qui seront peut-être pas nécessairement reliés à la saison. J'ai rien touché et ça a pris un truc tout seul dans mon inventaire. Bug! Oh my god. Alors, comme j'ai dit, mettez un like, regardez dans la description, il y a un paquet d'informations, Facebook, Twitter, mon site web, steelers.com, et nous, on se revoit bientôt dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!